Je suis sorti de l'école en 1990. J'ai intégré le groupe Bouygues à Orléans en qualité d'ingénieur travaux ouvrage d'art. J'ai rejoint le groupe Lang fin 96 pour l'activité ouvrage d'art. Et depuis 2004, je suis PDG des entreprises Lang. C'est 115 personnes. Une activité de bâtiment classique de gros œuvres, comme on voit autour. Une activité d'entreprise générale, de clés en main, d'ouvrage d'art, de cloison et de carrelage. Quand est-ce qu'on va poser cet escalier-là ? Ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'une formation centrale Nantes est une formation généraliste. Donc c'est le principal apport de la formation, c'est d'avoir une vision globale. C'est d'ailleurs ce que demandent les clients, c'est-à-dire qu'on apporte des solutions complètes. La formation centrale est parfaitement adaptée à ça, y compris la formation technique, la formation juridique, la formation commerciale, etc. Et on a aujourd'hui des gens qui sortent de centrale qui sont très très complets. C'est parfaitement reconnu, y compris dans des milieux de BTP, dans des milieux industriels. Sur des installations qui sont en fait les plus importantes en Europe dans un tissu universitaire. On a un bassin de carène plutôt dédié pour les activités navales et puis un bassin océanique ou zone sur houle. Les principales liaisons qui vont être à mettre en place sont représentées ici. C'est un cours qu'on fait en première année. Pour une matière qui s'appelle COMPI, qui veut dire conception mécanique de produits industriels. Donc on a des élèves qui ont fait relativement peu de technique au départ et on essaie le plus rapidement possible de leur donner quelques informations pour que par la suite dans leur métier, ils soient un petit peu capables de savoir lire un plan, savoir faire une petite modification. 1,95 là-haut et 7,2 là, c'est ça. Okay. Alors les élèves sont actuellement en TP énergétique de première année. Donc c'est une façon d'appliquer finalement ce qu'ils voient en cours et en TD de façon pratique, avec différents appareils, tout ce qui concerne la production d'énergie, tout ce qui concerne les transferts thermiques, les machines aussi, tout ce qui est cycle moteur est vu de façon assez approfondie pendant ces TP, avec des TP de moteur à combustion interne, mais aussi on aborde tout ce qui est vu en développement durable un petit peu, puisque vous avez un TP sur un capteur solaire. C'est une des spécificités de la formation à l'école centrale, de confronter les élèves à des installations réelles, et appliquer pour les habituer finalement à ce qu'ils verront ensuite dans l'industrie. À le temps de cycle, vous allez le chronométrer, donc il y a le temps de cycle et dans le copeau. Plus nos élèves vont mûrir, plus ils vont rentrer dans des cadres de formation par rapport à des stages, de connaissances de l'entreprise en fin de première année, de stages ingénieurs en deuxième année. Ils vont pouvoir ensuite ouvrir leurs connaissances sur des options professionnelles associées aux options disciplinaires qui sont également faites dans l'école. Et dans ces options professionnelles, nous avons des enseignements fortement axés, transversaux, avec 66% à peu près de professionnels qui interviennent. L'amortissement qui entre 5 ans et 6 ans. On a 90 rameurs sur le campus. On a été 5e au championnat de France et on a été aussi premier aux régates internationales de Paris. On a eu l'occasion l'année dernière de monter un super projet pour le Tour de France à la voile 2007, qu'on a réussi à mener à bout. Cette année, on a choisi de remener ce projet. C'est vraiment l'occasion pour nous de mettre en application tout ce qu'on a appris en termes de management de projet, de communication, de gestion d'équipe, etc. Des enseignements qu'on a à l'école, en plus de des matières scientifiques qu'on peut avoir.
et les étudiants sont acteurs de leur enseignement. Et participer à une association, c'est compléter aussi leur formation. Alors plus tard, j'aimerais bien devenir ingénieur en acoustique, donc dans le bruit. Et dans un futur plus proche, partir justement étudier l'acoustique à Berlin. Et surtout à l'école centrale de Nantes, en comparant avec les autres écoles centrales, les élèves étrangers sont obligés, en première année, d'habiter avec des Français. Et ça aide beaucoup pour l'intégration à l'école, tout ça. C'est très bien ça.